à toutes et à tous, on se retrouve pour le tour 2 de ce tournoi sur le réveil des héros Age of the Ring. Alors, vu qu'on était un nombre impair, il y a certains joueurs qui sont directement autour d'eux et j'en fais partie. Et oui, hein, sans jouer, je suis déjà meilleur que les autres. Sauf que là, je viens de foirer mon petit bâtiment. Donc là, je vais jouer contre au pif. Donc c'est parti pour un BO3. Hein. Je vais peut-être pas parler beaucoup. Il va falloir que je parle, sinon je vais être strike par notre cher jeu. Nous sommes contre Dol Guldur. Dol Guldur, c'est une faction qui pue pour moi, mais en même temps, c'est fort hein, quand on connaît les subtilités. Donc on va voir. On va essayer de spam rapidement. Je pense que c'est une faction qu'il faut prendre en early. C'est une faction qu'il faut prendre en early très rapidement. Et peut-être faire rapidement des piquets. Hein. Les piquets ont l'air d'être peut-être le counter absolu de nos chers... Dol Guldur, hein, parce que les orques et les esclaves c'est pas ouf, et les araignées qui sont un petit peu plus puissantes peuvent être counter par du coup les unités de piqué. Donc il faut rapidement je pense partir sur des péons, donc des petits gardes frontières et ensuite directement des unités comme ça. Alors est-ce que ça va accélérer le temps de... Je crois que ça marche direct hein. J'ai l'impression que ça augmente la vitesse de production des unités. Je suis pas totalement sûr à 100% mais ça a l'air d'être ça. Alors attendez, on va faire ça. Bon, du coup il y a déjà... Allez go dans la base adverse. Ici on va directement faire un autre bâtiment. On va aller voir ce qui se passe directement chez eux. On va essayer de... Déjà ? Restez groupés. Venez. Ouais. Tous ensemble. Ils attaquent notre campement. Des matériaux de construction. Déjà. Alors. Hein ? Comment ça mon bâtisseur est tombé ? Il a été bodyblock, c'est pas possible. Oh, c'est relou. Ah, mais la map est bloquée ici. Oh, c'est un peu de la merde ça aussi, hein. Bon attendez, on va essayer de se dépêcher. C'est drôle parce que du coup les unités perdent pour la comté. Et attendez, hop, on va se concentrer un petit peu. Voilà, c'est le début de partie, ça a l'air déjà d'être un peu compliqué. Donc j'ai perdu un bâtisseur. Wow, mais les piquets se sont fait éclataxe hein. C'est quoi cette faction là? Bon, les gardes aux frontières ont l'air de bien se débrouiller par rapport aux autres. On va essayer d'en refaire. Don't give up. J'ai cru que c'était un héros. Non, c'est pas un héros. Ok, donc je pense qu'ils vont arriver de par là. Toi, les animaux ont couru. Donc il y a forcément une autre unité qui est par là. À moins qu'il ait changé de... Ouais, il a changé de rotation. Non, mais ça va, en fait, la map est bien faite. Du coup, je peux pas me faire attaquer sur deux fronts. Bon, on va continuer à faire des petits gardes frontières. Mais j'avais pas vu cette unité là. On va essayer de faire de la cavalerie rapidement. Allez hop hop hop, on les défonce. Il faut de la cavalerie rapidement. Allez allez hop hop hop. Hop, on se dépêche. On fait une armée de hobbits. Les hobbits ça coûte pas cher, c'est fort. Allez les petits hobbits de la comté là. On est bien. On va essayer de faire un autre bâtiment par là. Bon pour l'instant voilà, il met un peu de pression. On va replier mes troupes direct. Allez. Que chacun ramasse une pierre. Je pense qu'il va m'attaquer de par là. Ici je serai tranquille. Et là on va enfin pouvoir tranquillement survivre. Alors, petit bâtiment ici. Défenseur de la comté. Ok, il y a déjà un bâtiment ennemi qui est là. On va essayer d'aller détruire. On a la cavalerie qui est par là, on va y aller. Ah, de toute façon, là, je joue la faction jusqu'au bout. Hein. On va pas perdre, moi je vous le dis. Que chacun ramasse une petite pierre là. Et par là, on va attaquer aussi, tu vas voir. Je te le dis, il va pleurer. Ok, ça c'est fait. On va construire un nouveau bâtiment par là.
On va construire un nouveau bâtiment par là. Ok, alors attendez, l'ennemi rôde par ici. On va temporiser avec eux. On va envoyer de la cavalerie. Je pense qu'on va essayer d'envoyer la cavalerie là-bas. On va réattaquer comme ça. Ouais, il m'envoie tellement d'unités là. Alors, ça vous plaît? Attendez, là il y a beaucoup d'esclaves. Hein. Beaucoup d'esclaves qui ont été recrutés. On va essayer d'envoyer la cavalerie. Cavalerie qui peut faire le café, je pense. C'est fait. Ouais, voilà, vous avez pu voir les petits. La petite cavalerie qui carry quand même. Continuons à faire des petites unités quand même. Ah, ici il y a un spec qui m'attaque, terrible. Que chacun ramasse une pierre! Malotru, malotru. Ah, attendez, la cavalerie. On va peut-être détruire le bâtiment quand même. Non, on va se replier. On va se replier. On va faire un petit puits. Attendez. Petit moment technique. Je suis un petit peu perdu. Ok, bon. Il a perdu pas mal d'unités. J'en ai perdu pas mal. Au final, ça se passe bien. On va juste aller remettre un peu de pression par là. Je pense que là, il va m'attaquer sur plusieurs fronts. Ouais, forcément, là, il y a un bâtiment qui continue à produire un petit peu de ressources, mais il va tomber, c'est sûr. J'ai de la cavalerie, donc il y a moyen de faire quelque chose. J'ai peur qu'il me maltraite par là, là. Des intrus ! Avertissez les autres ! L'ennemi n'est pas loin ! Ouais, il m'attaque par là. Bon, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire 2-3 petites unités. Oh là là, ma cavalerie qui fait un peu nimp. Que chacun ramasse une pierre. Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait, ma cavalerie? J'ai l'impression que ma cavalerie fait un petit peu n'importe quoi. Hein. On va quand même leur dire d'attaquer eux, mais... Attendez, les piquets, faut que bien je les reconnaisse dans le tas. Voilà, je temporise. Remettons de l'ordre. Par ici, Hobbit. Par ici, Hobbit. Par ici. Ok, là il a mis un buff. On va se replier une nouvelle fois. Est-ce qu'on commencerait pas à faire déjà un petit héros, un petit albarade pour les unités un petit peu plus fortes là. C'est bon, ça regagne un petit peu de buff là. On va continuer à faire un petit truc là. Paf paf paf. Allez, on renvoie les unités. Beaucoup d'archers, normalement ça devrait le faire. On va essayer de contourner avec la cavalerie. Mettre un maximum de dégâts. J'ai l'impression que ma cavalerie. Ouh là là. Il y a peut-être moyen de... Voilà, en vrai, je pense que ça a quand même fait le café. Je pense que ça a quand même fait le café d'avoir fait ça. Bon, on va continuer à faire des petits gardes aux frontières, là. Don't give up. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes unités, ici? J'ai l'impression qu'ils ont pris cher un peu pour rien, quoi. Attendez, là, on va renverser les nouvelles troupes. Boum, ça c'est fait. Aïe. Attendez, on replie tout le monde. Lui, il a quoi comme buff? Est-ce qu'il a un buff pour les unités? Ouais, il a des unités, donc ça c'est pas mal. On va faire Arwen. On a 8 points de pouvoir. Bon, on va continuer à faire des petits défenseurs de la comté. Putain, y a que un cavalier qui a survécu, quoi. C'est pas énorme, hein. Alors, y a aussi ça que je pourrais faire. Enfin, les améliorations. Bon, les cavaliers, clairement, on va les replier. Ça va pas le faire. On va laisser le bâtiment se faire attaquer. Ça va nous permettre de tempo. Je pense que je vais faire un deuxième truc comme ça. Ok, allez, Arwen, tu vas y aller. Je vais te up, tranquillou.
Il a une bonne portée lui hein, non? Je trouve. Ils ont l'air de bien tanker les unités quand même. Hein. On va faire peut-être une unité de cavalerie. Défenseur de la comté. Oh là là, il y a un héros. Il y a un petit héros dans le tas là. Arwen qui est aussi également dans le tas. Bon, des petits buffs techniques. Waouh. C'est cher. Mais what? C'est quoi ces dégâts de porc? C'est tellement débile cette faction parfois. Genre là la cavalerie elle s'est faite one shot, j'ai pas compris. Lui il se fait one shot aussi. C'est quoi cette merde là? Tout le monde se fait one shot, je comprends pas. En fait on voit rien avec les arbres, c'est vraiment de la merde. Ah j'en peux plus. On voit rien du tout. Il va mourir du poison non? C'est ce que t'es en train de me dire. Ouais j'ai bien compris que nos foyers étaient menacés hein, ça y a pas de souci. J'ai l'impression que lui il a pris zéro dégâts. On est bien, c'est faux. Il est ultra pas bien. Mais tranquille. Tranquille, j'y crois. On va aller péter un peu l'écho avec ça. Si on peut. J'ai l'impression que les rôdeurs, ils puent un peu ses morts. Hein, donc peut-être pas le faire. Ça c'est quoi? Autorisé de machin truc. Moi j'aimerais bien le... Je sais pas, non ça pue. Hein. Moi, il me faut des elfes. Hein. Il faut des elfes améliorés. Hein. Allez, hop. Allez, on fait full pouvoir là. Bon ici ça pète les bâtiments, c'est cool. On va essayer pour l'instant de gagner des points de pouvoir, hein. Je pense que c'est un peu l'objectif quoi. Balom. On a 10 points de pouvoir. Summon. Vas-y on va faire Elruir. Hein. Aïe. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bah ils sont tellement forts aussi eux. Eux ils vont rentrer dans le tas et ils vont tout détruire. Ouais c'est bien ce que je pensais. C'est un peu débile. Défenseur de la comté. Allez, hop. Bon, il est mort, oui, étonnant. Je ne pense pas. Est-ce qu'on ferait pas des archers améliorés plus tard? Oh là là, mais mes unités. Dol Guldur, c'est trop fort en fait. Pourquoi quand je joue Dol Guldur, ça pue ses morts et quand c'est un autre, ça. En général, c'est tout le temps comme ça sur les jeux de ring. Hein. C'est je joue un truc, ça pue ses morts. Je sais pas. Je sais pas encore la strat. Full hobbit c'est la vie hein. Ça coûte pas si cher que ça au final les hobbits hein. J'ai perdu tous mes héros. Les mecs de la compagnie grise là, pff, ils servent à rien. Ils font zéro dégâts, on est d'accord. Hein. En fait je crois qu'ils reprennent de la vie à chaque fois qu'ils tapent. Oh, ils prennent zéro dégâts donc ça sert à rien. Ok bah je pense qu'on peut dire GG wallplay rapidement quoi. Je sais même pas comment je peux me défendre là, hein. C'est pas possible. Hein. Même sous la forteresse, je pense qu'il peut me rouler dessus, donc je vois pas trop comment ça pourrait se faire. Allez, il faut mourir les deux messieurs là. Ok, on peut faire des archers. Les archers ça coûte cher, ça coûte 800. Normalement c'est efficace. En fait le truc c'est qu'il me faut des héros quoi, mais ça coûte cher les héros. Ça coûte cher. J'ai plus d'écho, j'ai plus assez d'écho là. Il pète mon écho, on va essayer de mettre un peu de pression, mais bon là le mec est tout seul, là ils sont pas beaucoup, ça va pas le faire quoi. Je vous le dis, ça va pas le faire. Ah par contre, je pourrais aller détruire ça. Par contre, toi, aller détruire le petit bâtiment là. Là il invoque des géants des montagnes. What, le troll niveau 10, c'est vrai, il y avait un troll niveau 10. Pas mal. Bonne idée. Il va directement sur la forteau, non? Pourquoi il va là? Ok c'est bon, j'ai les archers un peu d'élite entre guillemets. Oh là là, il a l'air tellement fort aussi. Ah, ça va être compliqué à gérer ça. Hein. Petit pouvoir niveau 10 là. Ça envoie toujours du pâté.
Est-ce qu'il va mourir? C'est la question. Est-ce qu'il peut mourir? Oh non, il va sur mes super archers là. Secours! Ils sont empoisonnés! Ils vont mourir! Ils vont mourir du poison, c'est sûr! Aïe aïe aïe, c'est compliqué. C'est très compliqué cette histoire. Allez au puits, allez au puits! Soignez-vous les gars, soignez-vous! On peut pas faire d'autres unités. Bon, allez, faut défendre maintenant. Putain, on a perdu la caserne. On a perdu la super caserne. Mais il va pas mourir le troll, il dure trop longtemps. Il dure tout le temps ou pas? Non, il dure un certain temps. Hein. Emladris. Trop fort ça, à l'aide. Non, il a tué mon bâtisseur. Le bâtisseur il pouvait plus bouger là. Allez, tirez archer là. I am Geldor. Ok, et quand il meurt, ça tue. Ça fait une sacrée zone quand même. Hein. Ok, donc même quand il meurt, c'est la fin du monde quoi. Ah, ils sont stun, non? J'ai l'impression qu'ils... Les gars, faut bouger, hein. Allez, faut heal. Il y a deux héros, hein. Il a fait une tour. Ah, les tours, en plus de Doldur, peuvent construire des bâtisseurs. Enfin, c'est... C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Allez, Geldor, tu peux le faire. Les Hobbits, ils ont un bonus après avec Geldor. Je pense que Geldor, il se joue avec les Hobbits. Donc, faut partir Hobbit, full Hobbit au début. Et ensuite Geldor. Bon, après, en même temps, je me suis pas entraîné, hein, voilà. Donc, c'est de ma faute hein, si je perds. Hein. C'est pas de la faute d'Opif qui est trop fort, hein. C'est tout. Hein. C'est moi qui suis trop nul. Par contre, ah, il a vendu la tour. Pourquoi il a vendu la tour? Je comprends pas. Le travail nous attend. Bon, s'il me regagne une bataille, j'abandonne, mais je me dis, il y a toujours de l'espoir, quoi. C'est de trouver la bonne strat. J'aimerais bien faire le royaume au moins. Bon, ce bâtiment-là, il sert à rien, clairement. Impossible d'entretenir plus d'autres troupes. Attendez, avec eux, on va essayer d'aller péter ça. Hey Geldor, reste calme. Oh, wow, 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 comment il était balayé lui. What the fuck. Comment il était balayé Wow, c'est tellement pété, il s'est fait one shot. C'est pété, j'en peux plus. Y'a rien qui va là. Ah, voilà, mes unités au cac, elles vont se faire rouler dessus, ça c'est sûr, y'a pas de soucis. Oh non, mais y'a un loup géant là. Il y a le loup noir là, le warg noir qui m'attaque. C'est pas grave, j'ai détruit le truc, c'est worse. C'est worse. Bon, je vais détruire ce bâtiment, hein, on peut dire GG Wallplay. Je vais juste faire Elroyer vite fait, et ça sera finito. Attendez, en plus on peut buff les unités. On peut les rendre invisibles. Normalement c'est assez efficace. Mais Bolg est super fort. Non, c'est pas Bolg lui, c'est Trimpul. C'est un des gardes nécromanciens là. Bon, vas-y, hein, GG. Hein. GG. Doldur c'est fort, hein, mais le problème c'est que moi je suis mauvais. Et Rivendell c'est plus une faction, je dirais, late game. Donc si tu rates ton early, bah c'est fini quoi. Et en fait, il m'a attaqué dès le début, je pensais pas qu'il allait pouvoir. Enfin, je pensais qu'il allait m'attaquer dès le début, ça y est, pas de soucis. Mais qu'il allait mettre aussi cher à mes pauvres petits hobbits. Genre les mecs de Brie là ils se sont fait dépouiller, donc clairement c'est pas du tout l'unité à faire. On va passer directement à la deuxième partie. Et c'est parti pour le second match. Bon bah on va essayer de faire mieux, hein. J'ai pris le Harad. Je me suis dit nouvelle faction OP, ouais c'est ça, Berusiel. Et let's go quoi, on va essayer de faire ça, mais bon on va essayer de faire mieux quoi, C'est pas compliqué de faire mieux, pour l'instant on s'est fait un peu massacrer. Écoute 1000, donc va falloir faire assez rapidement. Donc je suis contre les gobelins, donc évidemment Opi va faire un maximum de gobelins, j'en suis sûr. Est-ce qu'on va pas prendre directement le buff? Logique. Faut que j'arrive à lui mettre de la pression dès le début quoi. J'en ai marre de me faire détruire là comme ça là. Ça coûte 600 quand même hein, les bonus là. C'est quand même assez énorme. Le bazar, hop, on va créer ça, et ensuite on va directement faire des unités.
Là, il faudrait que j'arrive à counter par où il pourrait arriver. Donc, vu que j'ai fait mes bâtiments plutôt par là, je pourrais potentiellement partir un peu vers le bas. Donc, par ici. Par ici, stationner mes troupes. Et essayer de lui mettre de la pression cette fois-ci. Parce que bon, voilà, il m'en a mis tout à l'heure. Maintenant, à moi d'en mettre, quoi. Donc, ça coûte 200. Donc, j'ai toujours 200 de ressources. Et on va, voilà, on va continuer par là. À s'y lancer. Comme ça, on sera bien. Il a l'air d'être plutôt rapide pour en faire en plus. On est plutôt bien. Tac. Oui, non, non, tout. Et hop, hop, hop. 150, 175. Encore un tout petit peu. Et on sera parfait. Ah oui, il faut que je mette une unité dessus. Ça coûte de l'argent. Non, c'est free. C'est free, c'est free. Donc en fonction de ce qu'on aura en face, je pense que ce sera des gobelins. On va faire déjà des archers. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'aimerais bien être rapidement fixé sur ce que je vais avoir en face de moi. Là, je pense qu'il m'a déjà. Ah, ok, ok. Oh, le bâtisseur qui est déjà en PLS. Il peut pas bouger, j'en peux plus, mais c'est débile. C'est débile, aïe aïe aïe. Ok. On va essayer de mettre un peu de pression par là. Je pense qu'il faut partir rapidement sur deux casernes, par contre. Du coup, j'ai pas de bâtisseur, c'est terrible. Ah, mais le body block, c'est chiant là! Je fais que ça dans le jeu! Viens, bouge plus! Oh, c'est débile! Body block de ces morts là! Oh, c'est honteux ça! C'est honteux! J'ai pas de chance là! Allez, hop! On va aller péter le bâtiment. Allez, on continue à produire. C'est une bonne faction de spam, je trouve, pour l'instant. C'est plutôt agréable à jouer. Ok. On va faire des Spearsman. Changer. Voilà. Il y a un gobelin, je crois, qui est en train de taper mon bâtiment depuis tout à l'heure. C'est de le tuer quand même. Et ça a l'air rapide à faire ces. Ok, alors attendez. C'est bon, le gobelin est mort. On est bien. Ah, je pense que là il y a des ennemis. Bah oui. C'était sûr en fait. Ah, il va encore tuer mon bâtisseur? Non, ça va. Ça va. Et je commence à avoir pas mal de soldats là. Hein. Alors je pense que sa forteresse est là, non? Ça peut pas être très loin, non? Attendez, on va contourner comme ça. J'ai tellement de. Tellement d'unités là. Oui, ça c'est mon bâtisseur. Ils ont tapé mon bâtiment. On va essayer de voir par là ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, go détruire ça. Ouais, il y a beaucoup d'animaux sur la carte, donc forcément ça m'aide pas mal. Ça c'est quoi? Ça increase leur bonus. Vas-y, on va faire Berusiel directement. Ah, j'ai que des archers ici. Trop drôle. Trop drôle. Écoute, on va laisser 3 unités d'archers là. Et on va laisser 2 unités d'archers là. Et il n'y a plus qu'à attendre des renforts, quoi. Là, bon, du coup, c'est un peu niqué tout ça. Ah, du coup, je me tape les gobelins par là. Ah, ils essayent de les ramener, je pense, proche des unités. Hein. Allez, on y va. C'est bon, ici, c'est défendu. C'est nickel. C'est beau, comme on aime.
Allez, hop. Hop, hop. On envoie Biruciel au nord. On l'améliore directement au niveau 2. Ah, j'aime beaucoup le gameplay, par contre. Le gameplay est agréable. Ça, y a pas de doute. Y a pas de doute, il est agréable. Le farming est très intéressant. Allez, on va aller attaquer ça. Hop, hop. Tac. On va avancer petit à petit comme ça, là. On va aller détruire ça. Tac. Alors, on va dire... C'est quoi, ça? Oh, ça y est, il fait les unités pétées, là. On va voir si ça marche sur eux. Ah, ils sont faibles, hein, normalement, aux unités à distance. Normalement, ils devraient mourir rapidement. Allez, hop, hop, hop. On continue à produire. On ne s'arrête pas. En vrai, la production que c'est insane. Oh, attendez, hop, on va améliorer ça, on va les tuer eux. On va essayer d'aller attaquer ça, eux ils vont attaquer ça, là on met une grosse pression. Oh, le rat, c'est vraiment trop bien comme faction, what the fuck. Ça fait quoi ça? Ça enlève le leadership aux unités proches. Intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas faire un autre héros? Non, on va continuer à faire des unités forcément. Est-ce qu'on pourrait pas... Oh là là, prend cher non? J'ai l'impression qu'elle prend cher. En plein milieu du champ de bataille, il me dit. Elle est en plein milieu du champ de bataille, la pauvre. Bon, il y a du monde là. Hein. C'est bon, ils sont tous morts. On est content. Tout va bien. Non, mais la reprod de cette faction est what the fuck. Je la trouve un peu pétée quand même. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être trouvé le petit coup là, mais j'ai l'impression que je le massacre. Bon, c'est bien ça, c'est très très bien. Buff absolu. Oh là là, elle va mourir là. Oh, si elle le tue, c'est honteux. Ah, elle est morte, super. C'est pas, on va la refaire. Écoute. C'est pire que Langmar cette faction. Par contre, ça lag un petit peu. Hein. Je vais pas être horrible, mais par contre, il fait que ça, hein. des unités comme ça là. Attendez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va essayer d'aller tout péter. C'est bon là, ça va le faire ou pas? Ça va le faire, oui, ça va le faire, bien sûr que ça va le faire. Allez, on va péter ça. On continue à produire. Ça lag un petit peu. Beaucoup d'unités qui sont sur la carte, forcément. Vraiment, j'arrive à tuer ces mécréants là. Bon, la forteresse, clairement, j'en ai que faire. Hein. Je détruis ce bâtiment absolument. Ok, je les ai tués. En vrai, je les ai tués, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, on avance comme ça, là. On va continuer à les tuer. Eux, on les tue. Et eux, on s'en occupe. J'arrive à les focus, en fait. C'est bon, c'est easy. Attends, je vais tenter un truc. Je fais ça. Ça, il va plus gagner de ressources. Ça, c'est un bâtiment de 3, on est d'accord. Hein. Voilà, hop. Ça, le terrain va devenir pourri. Il y a encore des... Là, il y a quoi? Il y a ça. Est-ce qu'on n'irait pas péter les différents bâtiments qu'il y a sur les cartes? Là, je vois qu'il y a un truc là.
Ensuite, là il y a un truc là. C'est bon là, ils vont peut-être mourir là un jour. Moi ça m'embête pas. Hein, j'allais péter votre bâtiment là. Cachez-vous, cachez-vous. Là il y a le troll qui nous tire dessus quoi. C'est vraiment un moyen de défense ultime quoi. Ouais, on va essayer de leur tirer dessus. C'est bon, elle arrive. Ouais, elle arrive bientôt. Oh, j'ai les dromadaires. Incroyable. Attendez. Ah non, c'est pas ici que je veux. C'est pas ici. Bon, c'est pas grave. C'était pas ici que je voulais, mais c'est pas grave. J'ai toujours pas fait d'autres bâtiments. Hein. On ferait pas ce bâtiment-là pour changer. Bon, est-ce qu'il va abandonner le petit au pif? Parce que bon, ça va 5 minutes, mais il a une seule unité quoi. Moi j'alterne. Alors, on laisse pas se reconstruire. Bah, on va aller par là tranquillement. À la guerre! Toi! Ah bah oui, il commence à y avoir du monde, hein. Invoquez le petit chat. Quoi, il est mort? C'est une honte. Allez, faut mourir les gars, là. Allez, vous avez peur. En plus, vous avez peur. Oh mince, les dromadaires. Bah non, pas les dromadaires. Pourquoi je peux pas les taper eux, je comprends pas. Ah parfois elle peut pas taper elle. Summon my guards. Il est insupportable ce au pif. Bon c'est bon là, je peux faire des trucs de ouf. Ouais, on va faire tous les bâtiments hein, ça continue hein. J'ai fait que les unités tier 1, donc j'imagine que ce sera mieux si j'ai fait tier 2, tier 3, etc. quoi. C'est bon ici, on s'en sort? Non, on s'en sort pas, hein. Ça a l'air compliqué de détruire un bâtiment. Hein. Le truc est tout seul. Oh. Où est-ce qu'il peut s'installer même s'il est tout seul? Oui, il y a quand même une petite tente. Ça, ça fait quoi? Un petit leadership? Let's go. Go camper là. Campons dans les arbres. Wow, ça a l'air pété là. Allez, hop, faut mourir là. Les petits trolls là. Elle est morte. Oh encore, mais j'en peux plus. C'est débile. On va peut-être y arriver, non? Faut que je fasse quoi pour gagner? Faut que j'invoque des orang-outans, faut que je fasse des corsaires, faut que je fasse de la cavalerie, faut que je fasse des héros. Qu'est-ce qu'il me faut pour gagner? Parce que là, il fait une seule unité, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Ouais, Souladan, let's go. Il joue avec une seule unité, j'en peux plus. On va péter son écho un peu. Moi je pensais que c'était gagné là. Hein. J'ai l'impression que le retournement de situation arrive pour bientôt. Je sais pas pourquoi. Mauvais pressentiment, toi. Bon, on gagne de l'XP, hein, mais ces unités elles sont un peu reloues quoi. Je veux pas être relou, mais elles sont reloues quoi. Elle est où l'unité que j'ai recrutée tout à l'heure là? Attendez. On va essayer de tuer son bâtisseur ici. On est en train de péter son bâtiment, donc ça c'est bien. Tac tac tac. Allez hop. On va essayer de faire des corbeaux, des machins. Des améliorations aussi, pourquoi pas. Oh là là, insupportable.
C'est débile, MDR. Mais comment, pourquoi ils se sont dit, les gars, on va faire un troll. Il est très fort, il est plutôt résistant et il fait très mal. Et il fait mal au bâtiment. Et il fait des dégâts de zone aussi. Et il est fort contre les héros. Ça va, les facultés, elles sont intéressantes ou pas? Parce que là, je trouve ça assez intéressant quand même. En termes de facultés. Parce que là, faut que je fasse quoi? Faut que j'améliore mes troupes, faut que... Je sais pas trop, hein. J'ai l'impression que c'est un peu complicado, là. Petite caravane en exil, là. Allez, petite caravane en exil. Let's go. Bon, on va refaire Berusiel encore, parce qu'on l'aime bien, mais quand même. On envoie un macaque, là. Petit enroutant, là. Est-ce qu'on pourrait pas ah, ça, c'est très très fort comme unité, je crois. Dans mes souvenirs. Ça, c'est fait quoi, ça? C'est débloqué au niveau 2, d'accord. Il est où mon... Ah, il est mort. Déjà, il est déjà mort. Débile. Comment ça, il est déjà mort? J'ai compris. Ouais, ouais, on a compris. On est under attack et tout, c'est génial. J'ai tapé mon bâtiment, là. Pas d'accord. Allez, faut mourir, là. Il va se replier ou pas? Faut savoir. Allez, allez, allez. C'est une unité très forte. On va croiser les doigts, hein. Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air de suffire, c'est ça que t'es en train de me dire. Bon, on attaque, hein, on envoie tout. Hein. Oh là là, C'est chiant. Qu'est-ce qu'il fait avec ces loups de mort là? Les loups de mort, ils sont partis casser la tête. Je vais les repousser. Bah j'espère bien. On y croit. Hein. On est là pour potentiellement les repousser, effectivement. Bon, si t'as envie que j'aille péter tout ton écho, vas-y, hein, let's go, hein, j'y vais. Hein. Oh, la partie qui va durer toute l'après-midi, ça va être terrible. On est déjà à 40 minutes d'enregistrement. On va péter ça. Allez, Berusiel le retour. Allez, allez, on commence à faire un full héros là. Moi je te dis, ça va le faire. Il tue mes trucs, hein. Oh, vas-y, les Navariti Rodeur, là. Ils sont vers... là, ultra fort, non? Je me rends pas compte. Oh là, repli stratégique. Pourquoi tu te replies par là, toi? Il s'est fait one-shot! J'en peux plus! Tout le monde se fait one-shot par les trolls. Qu'est-ce qui arrête les trolls, en fait? Ah, parce que les archers, on m'a dit que c'était fort contre eux, mais... J'ai l'impression que c'est fort, mais pas tellement non plus, quoi. Pas tellement non plus. Combattez-les. C'est bon, on peut... Faut mourir en paix, là. Je me replie, promis. Oh, c'est des... Oh, ça a l'air des... C'est aménéaire quand une faction est comme ça, que... Le mec joue sur une seule putain d'unité, quoi. Vraiment, au pif. Je te déteste. Qu'est-ce que je dois faire pour endiguer cette menace, quoi? Je trouve le counter ultime, là. Ouais, ils sont énervés, les unités là. C'est bon? Bon bah pourquoi ils se replient là? Ah, c'est vrai que les cocktails molotov, ça peut être pas mal par contre. Les bombes incendiaires contre eux.
Allez, on va replier, on va empêcher ce bâtiment là. On va faire archer. Et ici on va refaire des corsaires. Je pense que les corsaires peuvent être très intéressants. Allez, dites-moi que cette unité là va les défoncer. Oh, j'ai un gros scorpion en plus. Mais c'est débile, c'est des unités d'élite. Ah, oh, ça m'énerve ce jeu quand il est comme ça là. Ça me rend fou. Ok, c'est bon, j'en ai perdu 2-3 là. Non mais c'est un truc de ouf comme c'est, ça n'a aucun sens. Alors, attendez, tac, 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 tac. Putain, c'est débile de ouf. Là aussi c'est débile de ouf. On va tous se faire one shot là. Russie, elle qui est encore morte, mais j'en peux plus, elle meurt tout le temps. Bon, je comprends qu'elle soit paraît très résistante, mais le problème c'est que c'est pas ça le problème, c'est les autres qui font trop mal. C'est vrai, c'est quoi ce délire? Et ils prennent cher ou pas des flèches, je comprends pas. Ouais, ils prennent quand même des dégâts, hein. Là ils ont... C'est des archers améliorés, donc normalement, oui, ils sont censés prendre plus de dégâts, effectivement. Quand même, un minimum. Un minimum, un minimum. Wow, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ça va peut-être mieux se passer, je pense. Ça a l'air. Après, je veux tout et rien dire. Hein. En fait, j'ai l'impression que lui, il a une seule unité. Forcément, si j'arrive à la counter, c'est bien, mais... Bon, on va voir si on peut pas construire plutôt là-bas. Il va perdre ses unités. Tac, 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 on va essayer de détruire le bâtiment. C'est génial. Mon scorpion... On va bientôt avoir des super pouvoirs, hein. Je ne lâcherai pas cette game, c'est... Je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Ouais, ça va. Eux, ils font quelques petits dégâts, là. C'est bien. Ah. Les petits loups. Petits loups invoqués. Qu'est-ce qu'ils me font? Ok. Là, il est dans ma diagonale. Ah, il essaie de buter mon piaf. Oh là là, le piaf, comment il prend cher. Bon, le piaf est mort, hein. Clairement. Il s'est fait rouler dessus. Il s'est fait rouler dessus. Get information. Ok, donc là, il a rentré ça. Là, on va essayer d'aller mettre de la pression sur eux. Pendant ce temps-là, les unités crament par ici. Les Russes est de retour. Ce qui est dommage, c'est que je suis bien dans la game, en fait. Toi, en soi. Je suis pas bien dans la game. Je suis ultra bien. Enfin, je le roule dessus, quoi. À chaque fois que je prends un combat... bon, sauf ici, peut-être, les loups qui carrient un peu, mais... dans l'ensemble, ça va. Là, je détruis ces nouveaux bâtiments. Tac, tac, tac. Ici, les archers vont peut-être faire quelques dégâts. Et go détruire ça. Go détruire ça. On va reconstruire 2-3 bâtiments par ici. Attends, il va essayer d'aller détruire mon bâtiment. Mais il est fou, lui. Il pense vraiment que ça passe. Attends, c'est pété, mais quand même. Allez hop hop hop, on y go. Merde, j'ai plus d'unité. Allez hop 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 hop. Pourquoi il y a des petits gobelins pourris là qui arrivent? Ça c'est quoi? Summon Kandish. Ah! Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Oh, il s'est fait désinguer. Repliez-vous, repliez-vous. Je sais pas pourquoi je les ai invoqués ici, mais je les ai invoqués là.
C'est pour peut-être empêcher les autres. Pff, il se fait one shot, incroyable, génial, wouhou, trop bien. Oh là là, mais tout le monde meurt là, j'en peux plus. Pourquoi toute mon armée meurt d'un coup? On va refaire de ça. On va refaire un ça. Les archers, très important. Les améliorations ici, ça a l'air d'être pas mal. Mais le scorpion, pourquoi il se replie dans les unités? C'est con, c'est très con. Très très con. Très très con de sa part. Je sais pas moi, je sais pas où aller. Voilà. Bon allez, on s'est rassemblés, on y retourne. En fait, je sais pas quoi prendre comme pouvoir. Il y a le pouvoir ça, mais ils veulent me le détruire. Mais il y a en même temps les candich machin truc. Ont l'air pas mal. Je me dis, ça peut être intéressant. Je vais faire. Ça, on peut peut-être aller détruire ça. Refaire un petit piaf. What is it you want? Peut-être détruire les restes de bâtiments, ça m'énerve ça aussi. Tac. Oh la game! La game est longue là. On va y arriver, mais quand même, la game est longue. Toujours ce roi gobelin de ses morts là. Attendez. Tac. Tac. Attendez, on va essayer de renverser les troupes là. Attendez, ça a l'air compliqué la bataille, mais vous inquiétez pas, je vous jure, ça va bien se passer. Non, c'est faux. Ça va pas bien se passer, mais tranquille. On y croit, on y croit. J'ai plus d'armée là, on est d'accord. Avec des petits restes. Ça a à faire sur quoi ça? Je comprends pas. Sur un bâtiment, non? Je sais pas. J'ai pas le temps de lire là. Bon, je me replie avec ce que j'ai. Ça va bien que j'arrive à les améliorer, mes troupes. Ce serait cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme héros? Parce que j'en ai un peu marre de faire Berusiel tout le temps et meurt tout le temps. Bon, on va faire un autre, mais. J'ai l'impression que ça change pas grand chose au final. Hein. J'ai l'impression que ça change pas grand chose. Bon, c'est bon, retournement de situation. Putain, mais j'étais en train de. C'est vraiment de la merde ce jeu, putain. Waouh. Je comprends pas pourquoi je gagne pas en fait. Genre, je gagne aucun fight. Il est tout le temps à me péter dessus là, le mec là. Et allez-y, allez-y. Allez-y. Facile. Et envoyer les chariots là. Les chariots vont faire le café évidemment. Donc les a massacrés les petites armées là. Non, on va faire full héros. Je sais pas, est-ce que le full héros va être intéressant? Je ne sais guère. J'ai l'impression que ces archers là, bon, ils sont bons, ok, mais sans plus quoi. Là, les améliorations, je les aurai jamais, MDR. Level 2, level 2, level 3, putain, mais comment tu peux avoir le bâtiment level 3, c'est pas possible. Sans qu'ils le détruisent évidemment. Il est en train de tout détruire, là il y a une nouvelle armée de gobelins, il en envoie des gobelins. Et c'est l'invasion quoi. C'est l'invasion. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi les gobelins ils... Pourquoi vous galérez autant à poursuivre ces petits Bon ça va, il va peut-être pas construire devant chez moi non plus. Peut-être aller défendre votre base, hein, bande de gens là. Courez pas surtout, hein, vous pressez pas. Tout va bien dans la base finalement. Allez, saute dans le tas toi. Ensuite, petit debuff. Invoque des petits gardes là, ouais c'est bien. Et maintenant, allez go là. Il va bien faire une erreur, je pense, j'imagine, j'espère.
Attendez, on a le pouvoir du vent là. Voilà, invoquer, on va invoquer le vent. Ça n'affecte pas les trolls, la tornade là. Putain, mais ce mode, il m'en veut. Hein. Non mais franchement, what the fuck, il a gagné avec une seule unité en fait. Non, parce que, ah bon, à quoi bon faire les autres unités, toi? What the fuck, quoi. Mais franchement, je me suis dit, au moins ça passe. Même pas, c'est même pas passé, quoi. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est complètement débile, hein. Mais c'est débile de ouf. What the fuck. Une unité pour win. Non mais c'est ouf. C'est débile ce jeu. J'en peux plus. Suivez-moi cette merde là. Poursuivez-moi cette merde. Il meurt pas, c'est ça le pire. Je comprends pas, il meurt pas. Yeah, ils seront même capables de le tuer en 2 contre 1 là, alors que c'est... Peut-être mourir là, voilà, putain, enfin. Toi, meurs. Je m'en fous, je lâcherai pas, mais... On va refaire la technique du full lord là. Il est rentré à l'intérieur ou pas? Il est toujours pas rentré, hein. Il va mourir, voilà. Allez, ça dégage. Ça c'est niveau 2. Bon, est-ce que cette unité là est sortie? Pas encore. Pas encore. Je refais des bâtisseurs. Ici c'est bon, on est en train de mourir. Waouh, les archers sont tellement lents. Par contre, JPP. En fait, je crois que c'est leur posture qui font ça, non? Ouais, ils sont slow, ouais, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon, on va éviter de mettre leur truc comme ça là. Putain, mais le roi gobelin il se fait plaisir. Hein. Là, le mec est venu, ça y est, c'est la fête. Il a cru que c'était chez lui. Mais attends, mais comment ça se fait que ce soit pas lui qui sorte là? Bon, ça aussi je comprends pas. Ouais. Allez hop hop hop. Oui, il est derrière. Devant là. Et une autre armée qui passe par le nord là. Je la vois, hein, j'ai des faucons là un peu partout. Là. Ah, les faucons c'est cool, c'est bonne unité je trouve quand même. Mais, inquiétez pas, ça va pas passer, moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'embête? On arrive au pouvoir niveau 25 si ça continue. Hein. Moi je ne lâcherai pas. Hein. J'attends toujours cette unité d'élite, mais je ne lâcherai pas. Alors attendez, ceux-là, faut que je les bute. Sinon, s'ils pètent ma forge, je suis dans le caca. Hein. Je suis vraiment dans le caca. Ah, je ne vois plus ma souris. C'est un peu gênant, du coup. Quoi? Ah, c'est bon, je revois ma souris. Ah, ça renverse les troupes. Bon, ça va, les espèces de chauves-souris, ça a l'air quand même assez faucon, là. Autour, plutôt. Ça a l'air ok tiers, quand même. A quand même tué certaines unités. C'est bon, une nouvelle armée qui arrive de par là. Logique. Hop. Toujours pas fait les maquilles. Hein. C'est vrai que je pourrais faire le dernier bâtiment. Hein. Il y a le temple de Zygurde, il y a l'autre truc. Bon, il y a les petit à petit. On va tout faire dans cette game, moi je vous le dis. Hein. J'aurais juste pas l'unité que je veux, mais... Allez, essayez d'arrêter cette... Allez, bientôt niveau 3 ce truc là. Hein. Protect the bazaar. Ok, allez, go combat là. Non, allez, vos tours. Pas en première ligne. Forcément, ils vont en première ligne. C'est gros con! Putain, c'est débile, hein. Aucun moment, j'aurais dit d'aller là. Hein. Ça l'a pas invoqué? Ou père? Ils ont spawn tous au même endroit, donc ils vont tous mourir s'ils spawn là-bas.
Ah, Berusiel qui est encore en train de crever. Qu'est-ce qu'il faut en première ligne? Allez, invoque. Pour tout, mais invoque. S'il vous plaît. Et peut-être la remontada là. Lui, il a quoi comme héros, comme pouvoir déjà? Il prend le contrôle d'un bataillon ennemi. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Casimir vient d'arriver. Allez, hop. Oh non, il va mourir lui. Ah, il y a un dragon, j'avais pas vu, pouvoir niveau 25 là. Oh là là, la cata. On va éviter de perdre tous nos héros. Non mais les gars, elle est là, s'il vous plaît. C'est un tout petit effort. Toujours pas cette unité là. Ouais, c'est bon, elle arrive enfin. Ah, j'aurais peut-être dû prévoir le pouvoir niveau 25, effectivement. Ça n'a pas été très malin de ma part. Tenez bon. Allez, on meurt petit à petit là. Ouf. Bon bah écoutez, c'est encore une fois serré hein. Mon bâtiment est bientôt niveau 3 ici hein, donc bientôt pourra faire des améliorations. Heureusement qu'ils s'en préoccupent pas parce que putain, on va le détruire des centaines de fois. Moi j'ai pas de pouvoir niveau 25, il en a déjà. Déjà lui. C'est une honte. C'est une honte de ma part, hein, évidemment. Ok, j'ai un mec énervé qui vient d'arriver sur le champ de bataille là. Après, je crois qu'il est pas très tanky du tout lui. Hein. Il se fait toujours péter. Hein. Qu'on verra bien, mais. Dans mes souvenirs, il se fait un peu péter. Hein. Bon, là, il me fonce dessus là. Il fonce dessus avec son héros. On va essayer de s'en occuper direct. Ouais, ça, replie-toi là. Replie-toi. Ah, il a un troll énervé là. Ouais, la city grows. Ouais, on peut faire du maquille, incroyable. Les sorciers de ouf là. Ça, c'est quoi? Summon Morgoth. Les ennemis target dans l'unité. Ah, ça, c'était pas mal. C'est vrai que c'était pas mal. On va essayer de faire ça. Encore le guetteur. Oh putain de merde. Pas possible. Il m'arrive dans le bac, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Lui il va mourir parce que forcément il est bodyblock, parce que ce jeu c'est de la grosse pisse. Mes sorciers c'est des gros connards, du coup ils y vont tout seuls, j'en peux plus. Repli stratégique, et allez go. On y go maintenant. On envoie tout, envoyez la sauce, envoyez tout là. Dans le tas, on attaque. Le troll il va mourir, c'est sûr. Les renforts sont derrière, mais on va leur rouler dessus. Allez hop, on leur roule dessus, je répète, on leur roule dessus. C'est bon, ça meurt ou pas ici? Tain, il... Finalement, ils sont pas morts. Hein. Bon, c'est, ça devient compliqué, hein, cette histoire. Hein. Ça devient compliqué. Bon, est-ce qu'on peut pas améliorer nos troupes un petit peu aussi, là? Parce que bon, ça... On discute, mais... va falloir peut-être améliorer nos troupes à un moment. Là, j'ai encore perdu mon bâtiment important. Est-ce que je pourrais pas commencer à faire un petit peu eux aussi? Pour changer un peu. Peut être intéressant peut-être. C'est les unités d'élite. Unités d'élite, je peux rien faire avec. Je peux rien faire avec ça, non? C'est si nul que ça. Écoute, on va faire un peu de tout. Tac. Il me fonce dessus. Non, foncez pas dessus.
Foncez pas dessus, foncez pas dessus. C'est drôle parce qu'il a arrêté de faire les trolls. Oh là là. Il montre sa puissance, enfin, il montre sa puissance. Oh, arrêtez, arrêtez, arrêtez. J'ai bientôt un pouvoir niveau 25, là, il y a moyen de taper un grand coup, là. On fonce dans le tas. Les mages, du coup, je m'en suis pas servi encore. On va essayer de t'en servir, là. Attendez, ça marche ou pas, là? Je sais pas s'il y a une zone. Oui, il y a une zone. Lui, il est pas tanky, il est pas tanky du tout. Attendez, on a 25 points de pouvoir. Moyen de faire quelque chose. C'est bon, ça les a tués. C'est génial. On peut avancer maintenant. Allez, go, 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 go. On perd pas de temps, là. Oh, cette game. Cette game restera dans les annales. Allez, hop, hop, hop. Allez, retourne au combat, là. J'en peux plus. Il se réveille encore, les héros. Attendez, attendez. Moyen de faire quelque chose, là. Bon, c'est pas deux, trois petites merdes qui vont m'empêcher d'attaquer, quand même. Mon bâtiment n'a pas été détruit. Mon bâtiment est niveau 3. Il y a moyen de les améliorer, maintenant. Attendez, attendez. Allez, allez, on améliore. Oui! Oui, incroyable! Incroyable. Oh non, il y a les gobelins qui m'arrivent du nord, là. Attendez, on va essayer de s'en occuper. Je vais enfin avoir des unités améliorées! Après un petit moment, quand même. Il en aura fallu attendre du temps. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire, là? Est-ce que je peux faire du maquille un jour? C'est cool. Oh, elles ont l'air tellement stylées, les unités améliorées, par contre. Il y a des pouvoirs de ouf ici, mais pas trop si c'est intéressant. On peut essayer, hein. On peut essayer, hein, mais pas sûr. En tout cas, je vais avoir des archers améliorés. Ça va commencer à être très très cool. Ça va commencer à être très très cool. Bon, il a encore un guetteur de l'eau, il a des trucs de partout évidemment. C'est chaud quoi. La game va se terminer, mais dans un siècle. Alors, je propose qu'on switch. Mettre la moitié par là. Attendez, désolé petit bâtisseur, je t'ai empêché de construire ton bâtiment. Le reste, on dit d'aller là-bas, d'aller ici. Oh non, ils ont l'air de tous être partis par là quoi. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu, mais il y a une armée en fait par là. Effectivement, il avait déjà prévu de m'attaquer par là, donc j'ai anticipé en fait, tout simplement. J'ai anticipé la menace. Un peu relou de m'attaquer sur tous les côtés. Logique. Logique, logique. Venant de lui. On va essayer d'aller détruire ça. Oh le relou. Il va m'attaquer là. Oh non, pas ma forge. Oh non, le mental là. Ça devient dur. Ça devient très dur. On va essayer d'intervenir, mais son troll est venu, il a pété le truc, il est reparti. C'est tout ce qu'il aura fait. Mais c'est déjà très bien ce qu'il a fait. Elle a vu comment ça casse la tête. C'est déjà très très bien ce qu'il a fait. Bon, ça se passe comment là-haut? On arrive à défendre ou pas? Oui, on y arrive. Oh, il est insupportable. M'en fous, j'ai des unités améliorées maintenant. Bon, ce sera les seuls qui seront améliorés parce que les autres sont mortes. Ouais, je pense que là, ça va partir sur un abandon bientôt, hein, parce que... Pas mal comment je pourrais faire. Là, il va me renvoyer encore des troupes sur les côtés et tout. Casse les couilles, putain. Je vais te porter un grand coup, là. Ma base peut se défendre, c'est bon. Ça va se défendre tout seul, c'est génial.
Allez, allez, hop, hop, hop. On détruit les derniers bâtiments, c'est génial. Bon, c'est bon, j'en ai marre. Marre de défendre ma base. Ça sert à rien. Ça va se défendre tout seul. Je les connais bien, mes hommes. C'est des bons. C'est des bons gars. C'est des bons gars. Alors, ça se passe comment ici? Mal, j'imagine. Oh oh oh. Oh oh oh, comment ça servait à rien? Franchement, j'ai juste envie de rush sa base et c'est tout quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête. On va juste aller mettre des dégâts sur sa base. Bon, ma base elle est améliorée, j'ai pas me soucier à me faire. Je vais juste faire un truc qui permet. Ah, il y a un heal. Ça peut être intéressant ça, un heal. Oh, attendez, regardez le troll là qui arrive. Il est armé derrière là. Elle a tué le troll là. Oh, on a compris. C'est vrai que je pourrais utiliser un peu plus leur pouvoir. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez intéressantes. Ça fait quoi ça? Je sais pas. J'appuie sur tous les boutons là. Oh, pas mal le petit coup là. Qui a fait voler toutes les unités. J'aimerais bien que vous tuiez le roi gobelin. Putain, le roi gobelin, c'est vraiment une relouman. Relouman le roi gobelin quoi. C'est vrai, genre le mec est partout tout le temps, casse la tête. Et on va faire un petit puits ici. En passant là. Petit vautour. Petite unité. Petit heal technique. Allez hop 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 là. On s'arrête pas ici là. C'est bon, vous allez réussir ou pas? Power is power. Allez, on sert le Golden King là, c'est génial. J'ai plus rien après ça quoi. Mais je pense que lui il a plus grand chose aussi hein. Je veux pas être pessimiste mais je crois qu'il a plus grand chose aussi hein. Mais s'il repousse mon assaut, je pense que je pourrais pas me relever de son assaut. Je pense que là il attend le guetteur ou un truc comme ça toi. Une connerie du genre. J'ai l'impression que là plus j'avance, plus mes invocations vont disparaître. Les héros ils prennent rien. C'est génial. Ça fait quoi ça? Ça réduit de 33% leur... Stay together. C'est bon là? Tant bien. Attendez, on va se remettre derrière le puits là. Bon, je donne tout pour ce match, hein, même si je le perds, c'est pas grave. Hein. Je me serais bien battu, je pense. En tout cas, ça aurait été un beau match. Quel retournement de situation, en vrai, putain. Quand on y pense. Ah. Petit pouvoir sur... Il y a un trésor, trop drôle. Et on va le ramener à la Forto. Ok, donc ça. C'est mon armée. On va essayer de détruire le reste. Les unités améliorées, c'est quand même bien. Hein. Se cacher, même pas mal. Hein. Allez, hop, hop, hop. Ah, il essaye de rush ma base, non? J'ai l'impression qu'il va essayer de rush ma base. Bravo, oh, il peut essayer. Hein. Ah,
Ouais, je pense qu'il avait, il avait prévu le guetteur. Il avait prévu le guetteur de l'eau, le salaud. Vas-y, on va essayer d'aller détruire la forte eau. J'en ai rien à faire, de toute façon. On va essayer de détruire la forte eau. Ah, j'ai plus le mec fort contre les... Dommage. C'est bien dommage, cette histoire. Mais j'ai quoi comme pouvoir niveau 10 j'ai pas vraiment de pouvoir niveau 10. Hein. C'est tellement débile, les héros. Je suis en train de détruire sa forte eau, là, d'accord. J'ai détruit sa forte eau. Mais c'est débile. C'est débile. Bah, les héros sont pas mal, hein. Donc on te fait... on y prend goût, hein. What is it you want? Attendez, on va essayer de tuer son héros. Voilà, on a tué son héros. Adieu les gobelins. Ça y est, il perd tout moyen, il perd tout moyen, il a perdu son héros. Ça, ce serait pas la gagnante là. Que le rush for two a été hyper efficace. Alors, on invoque une armée. Attendez, cachez-vous, repliez-vous. On fait pas le fou. Ah là là. Quelle aventure, mesdames et messieurs. Il doit être en train de refaire sa forteresse, ouais c'est ça. On va essayer d'aller détruire sa forteresse vite fait. 17 points de pouvoir. Ah en vrai à 25 j'ai ça. Hein. Vas-y construis des trucs toi. Allez hop hop hop. Forteresse qui revient bientôt là mais... C'est quoi ça? Ah ouais. Ça a l'air... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé mais ça a l'air fou. Putain, mais cette game n'a aucun sens. Ah. Allez hop hop hop. Les héros, c'est débile. Ça fait tellement de dégâts. C'est immortel. En fait, ça dépend. En fait, c'est peut-être leurs dégâts contre les structures qui est très abusé. C'est pas lui qui est fort contre les... Je sais plus, il y en a un qui est fort contre les bâtiments. Ouais, c'est lui. Il est pas encore là. Détruisez la forteresse, détruisez la forteresse. C'est un peu l'objectif number one. Hop. Dragon! Oh là là, encore un dragon. Après il détruit sa forteresse en faisant ça, on est d'accord. Lol, il a détruit sa forteresse. Oh là là, j'ai gagné. Incroyable. Attendez. J'invoque le Makil. Non, j'ai pas invoqué le Makil. Bon bah partout, hein, la balle est au centre. Oh là là, quel match. Quel match. Allez, on passe directement au prochain. Et c'est parti pour le troisième match. Bon, Royaume de la Forêt, c'est pas une faction que je trouve forte. Je sais pas. De manière, le full héros a l'air d'être le plus worse.
Donc on va partir sur plutôt Erebor. Alors attendez, il faut d'abord que je choisisse du coup Torrent et Kutchen. Et c'est parti. Tac. Hop. Alors, j'ai complètement raté le start. Gaiement et enchantant et enchantant. Alors j'ai vu Croak qui était extrêmement puissant. On va essayer de le faire assez rapidement. Niveau pouvoir, c'est intéressant. Bon, le fléro, les héros, voilà, les héros. On a compris sur les jeux de ring que les héros étaient très forts contre les bâtiments. Donc il faut pas hésiter à aller rush la forteau adverse. Voilà ce que je peux vous donner comme petit tips. Vous avez pu constater que c'était plutôt assez puissant. Donc la strat, là, ça va être de faire Roak rapidement et en même temps d'aller mettre de la pression. Pression sur la base adverse. On va essayer de faire... Ici, toi, ça peut être sympa, ici. Alors, ici, non, mais ici, peut-être. Tu vois, un truc un peu comme ça. Ça peut être intéressant. On va bien voir, hein. Je trouve ça pas du tout la bonne stratégie, hein. Et ça se trouve, je vais perdre en 5 minutes. Peut-être que ça va être ça. Donc, pour l'instant, pas de Roak. Je sais même pas s'il peut me rush en early, j'en ai aucune idée. C'est vrai que je pourrais prendre l'info avec le piaf là. Mais le piaf est peut-être encore un petit peu cher là pour le moment. Ah oui, merde, il y a peut-être une tanière de warg par là, non? Ah non, elle est là. Ça va alors. Ça va. Ok, bon. On va aller dans les coins. Dans les coins. Les premières unités qui sortent là. Et on va directement enchaîner avec la seconde. Ok, là il y a des wargs. On va éviter d'aller le trop ici. Je sais pas trop où on pourrait aller. Là. Tac. Ce sont eux, nos ennemis. Ah, avec les animaux, en vrai, je pense que tu peux facilement prendre l'information sur la carte. Hein. Ah, là je vois qu'il y a des unités qui sont en attente là. Ok, on va les rentrer là-dedans. Tac. Est-ce que je les défonce? C'est la question. On a l'air de quand même bien les défoncer. Tac. Alors là, faut que je fasse le piaf du coup. Très important, le petit piaf. Les unités ont l'air de bien carrer. Alors forcément, les unités naines sont plutôt lentes par rapport à eux. Ok, Roak est recruté. On va directement l'envoyer dans la base adverse. Allez hop, on envoie le piaf. Piaf qui prend du level tranquillement. Là on va aller par là. Il a pas vu que j'ai passé un vêtisseur ici. C'est super. Ça donne de l'XP, c'est génial. Nous sommes attaqués. Ok, ça c'est fait. On va essayer de les sauver. Tant qu'on peut. Ok, donc là normalement j'ai une unité qui est déjà dedans. Donc ça c'est bien. Et on peut directement aller mettre de la pression par là. Je sais pas s'il connaît la faction ou s'il la découvre. Bon, on va peut-être vendre le bâtiment. Peut-être donner trop d'expérience à l'adversaire. Ah merde, le roi qui est mort. Pas cool ça. Pas cool. Bon, je lui ai quand même pété pas mal d'écho au final. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Ah ouais, carrément, l'armée des morts. Oh, c'est Toriel, ça je reconnais.
Ouais, on va essayer de tuer les petits gardes. Hein. Je sais plus si les gardes de... Ils nous bombardent. Ah, des wargs. Pas cool. Pas cool, pas cool, pas cool. On va passer entre les mailles du filet. Bah écoutez, hein, le fouléro qui va être en préparation, c'est bon, ouais. C'est prévu, c'est prévu. L'ennemi est là. Nous avons les meilleurs matériaux. Non. Protégez la mine. Protégez. Oh, attendez, je reviens. Oh. Oh là là, mes unités que je suis parti à FK à l'aide. Excusez-moi. Alors, tac tac tac. Oh, je me suis fait mal. Je me suis fait mal. Je me suis frappé en remontant les escaliers, c'était assez terrible. Oh, attendez. On peut pas attendre, ouais, non. On va faire Daïn. On va faire Daïn rapidement. Pom pom pom. Pom 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 pom. Je sens que là, je vais me faire éclater. Hein. Je vais me faire éclater. On va essayer de préserver une écho en mettant les bâtiments un petit peu cachés. Un petit peu moins cachés, un petit peu moins cachés. On va se replier par là, on va se replier par là. Le problème c'est que j'ai pas grand chose. Là j'ai un héros qui va revenir. Les lâches. Mais non, c'est pas des lâches. Bon là on va peut-être tuer les deux par contre. Hein. Écoutez. Attendez, on va essayer de les buter un peu ceux-là. Enfin, ils font tellement mal maintenant. Forcément les flèches, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Les nains, ils sont un peu bolos là. Ils sont un petit peu bolos. Alors là, est-ce que je pourrais pas réussir à faire ça? Ah ouais, il m'attaque direct. Ah ouais, c'est osé, c'est osé. Durune, Durune. Oh là là. On peut pas le mettre sur son cochon. Allez, sur son cochon, là, il peut faire le café ou pas? Bon, je pense qu'il peut faire le café. Ah ouais, le... Ça va commencer à piquer. Ça va commencer à piquer, mais bon, il a l'air d'envoyer de la pâtée, donc... je pense que ça peut le faire quand même. Allez, monsieur... Monsieur Daïn. Continuez avec votre petit cochon là, renverser les petites troupes. C'est génial ce que vous faites, c'est génial. Protégez la mine! Je suis en train de perdre toutes mes unités, c'est terrible. C'est terrible. Alors, attendez, on va essayer de poursuivre. On va essayer de la poursuivre et de la tuer. Si on arrive à la tuer, en vrai, ça peut être archi worse. Sachant que je peux invoquer en plus les riders. Alors attendez, tac, tac. Alors on part sur un fouléro, hein, d'ici. Ici on se prend pas la tête. Est-ce que j'ai un heal? Ah, Roa qui est déjà morte, hein. Wow. Pas ouf ça. Pas ouf cette histoire, encore une fois. Si on peut tuer Toriel, en vrai ça peut être worse. Ça lag un peu, hein. Ça lag un petit peu. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas un crash? Presque senti un crash là. Hein. Bon bah au final ça va. Aurait pu être pire. Aurait pu être pire. On va continuer à faire ça. C'est bon, tout le monde est mort, c'est génial. At your service. C'est bon, tout le monde est mort là. C'est cool. J'ai plus de... Si j'ai un... j'ai encore un bâtisseur en fait.
L'ennemi. I got him. J'ai aussi lui hein, qui est pas mal. Ah, grosse armée qui arrive là. Ouais, je refasse Roak. Le problème c'est qu'il a un pouvoir intéressant. Il pourrait pas, je laisse. Bon, mais c'est bon, là je vais avoir full héros, vous inquiétez pas. Bon, pour l'instant, oui, c'est pas ouf, je suis d'accord. Mais faut voir sur le long terme. Faut voir sur le long terme que ça peut être intéressant. Je vous promets. Je vous promets, c'est intéressant. Normalement. Oh là là, c'est le nouveau bug. Et il va mourir Dain, non? Dain n'a pas l'air en bonne forme. Hein. Ouais, ça devient compliqué là. Les deux héros sont low. Repli stratégique, repli stratégique. Dans les mines, dans les mines. Il va mourir, non? Ouais, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon cette histoire. Oh non, il est mort. C'est terrible. Ouais, je crois que j'ai tout donné à la game d'avant aussi. J'ai dû m'absenter là pendant une dizaine de secondes. Enfin, plutôt une minute. J'irai. Forcément, ça aide pas, quoi. Aïe aïe aïe, encore une invocation là. Ils ont combien d'invocations les elfes? Ils en ont beaucoup quand même, j'ai l'impression. On va essayer de tourner, on va tourner en rond, on va tourner en rond. Ça va le faire, ça va le faire. On les renverse, on les renverse. On tourne, on tourne, on tourne. Oh non, encore. On a pas marre de mourir, Roak. Durin, Durin. On tente, hein. On tente des choses, hein, mais... Ça a l'air d'être compliqué, hein. Roak est encore mort, le problème, c'est que... Il peut invoquer une unité, donc c'est pas mal. Le problème, c'est que j'arrive pas à le tenir en vie. Face aux elfes, ça m'a l'air chaud, quoi. Ça m'a l'air chaud de le tenir en vie. J'y crois, hein, mais c'est chaud quand même. Comment ose-t-il attaquer le bâtisseur? Bah oui, comment ose-t-il? Je suis d'accord, comment ils osent? Alors, elle a pas l'air de faire beaucoup de dégâts par contre à mon Dain. Dain il tank de ouf. Hein. Regardez! Regardez comme il est pété. L'arbre a été invoqué, mais ça ne suffira pas, lol. J'ai tué ces deux héros là? Mais let's go en fait. Full héros là-bas sur ce mode. Hein. C'est un peu bête quand même. C'est un peu bête et méchant parfois, je me dis. Hein. J'ai l'impression que je réfléchis pas beaucoup. Je dis juste à mes unités, hop hop hop, let's go. Ça se passe bien quoi. C'est pas grave, on va faire tous les héros. Hein. C'est vrai qu'il récupère un peu de vie, notre cher Dain. Là. Bon, là il s'est quand même bien battu. Ah, de retour l'ennemi, déjà. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Razabdoom, readies. Allez, dans les mines. Dans les mines, dans les mines, dans les mines, dans les mines de la Moria. Allez, Roak, tu viens. Tout le monde vient, c'est la fête. Descends ton sanglier, toi. Allez, go massacrer tout le monde. Et Dain est vraiment trop fort, what the fuck. Il envoie les patates de chez patates, c'est un truc de ouf. Je rajoute à ça mon petit doualin. Et c'est easy win. C'est easy win. J'ai pas besoin d'avoir une grosse écho, j'ai l'impression. Hein. À quoi bon avoir une écho? Attendez, il faut aller péter les bâtiments. Le maître du lac est revenu, c'est le plus important, lui. Le plus important, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, évidemment. Et laissez Dain taper, il est trop fort.
Voilà, hop. On va revenir par là. Bon, là, il est envoyé. Ah, à 30 huiles. 30 huiles, je peux le tuer avec des unités basiques. C'est pas drôle quand même que j'arrive à le tuer avec une unité basique. Parce qu'il va quand même me péter, non? Dwallen, at your service. Vas-y, vas-y. Ils vont pleurer. Quand tout ce qui va sortir va sortir, ils vont bien pleurer. Allez, rentrez, 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 rentrez. Et il est toujours pas rentré dans les... On va voir. Allez, hop hop hop. Wow, 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 wow. Bon, le maître est nul, donc forcément, on s'en fiche un peu du maître. Par contre, Thorin, on s'en fiche pas. Bon, attends, on va se replier quand même. Alors, on est en train de perdre tous nos héros, c'est génial. Les gens ont pas réussi à se replier, si c'est bon. Les gens ont réussi à se replier, donc c'est bon. On va faire plutôt le roi Brand, il est plus efficace. Après j'ai 3 unités, peut-être moyen de tenir. Hein. Durin. Vas-y, reviens sous ton petit petit sanglier là. Il y a toujours moyen de tenir. Bon moyen de tenir, moi je vous le dis. Il a pas l'air de passer par là. Je sais pas par où il pourrait passer. Mon petit piaf il est là-bas. J'en avais job. Je l'avais oublié celui-là. Ok, donc l'armée des elfes est là. On a tous les héros quasiment. C'est génial. C'est génial qu'avoir 2-3 petits épéistes en plus et on peut mener un combat doigt dans le nez. Bah oui, non, mais il est con aussi. Il est con ce piaf. Tellement nul à chier ce piaf. Il est bien mais voilà, je sais pas trop m'en servir donc c'est pas trop ma tasse de thé. Ça vous dit. On va essayer de s'enfuir par là. Ils ont tué le bâtisseur, c'est bon. Non, ils ont pas tué le bâtisseur. Pas encore. Le bâtisseur, il a un HP. Il a un HP, le bâtisseur. Allez, on va essayer de défendre ça. Let's go! Bom 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 bom. Il focus mon héros, forcément. Ah,
Allez, allez. Ah, Dolin est mort. C'est pas cool, ça. Pas cool du tout. Bon, allez-y, vas-y, vas-y. On va essayer d'envoyer tout le monde, quand même. Faut éloigner les héros, en fait. Un peu la clé, quoi. Y'en a un qui est mort ? Y'en a un qui est mort encore ? Oh là là, Dane est mort. Dane le boss. Dane le boss est mort. Thorin va mourir. Ouais, là ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon, mes amis. Ça sent pas bon du tout. Attends, on va être tué Trandul, le pauvre. On est malmené depuis tout à l'heure. Hein. Vas-y, tire ta super flèche là. Oh, les dégâts, c'est faux. Wow, il s'est fait découper. Ah bah écoutez, je pense qu'on peut dire GG Wellplay, hein. On aura fait un beau match quand même. Bon allez, GG. GG, GG. Attends, je peux rien faire. J'ai mal joué dès le début, j'ai du MyFK, mais c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir suivi. Je pense que du coup, là, il n'y aura qu'une seule vidéo. Sinon, elle va durer très longtemps, 1h42 en tout d'enregistrement. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain match, peut-être aussi épique. Allez, au revoir et abonnez-vous.